Prenez Ésaïe 43. Abattez Ésaïe. Nous sommes ici. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel. Il t'a créé au Jacob. Celui qui t'a formé au Israël. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et la fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu manges dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Très bien. Alléluia. Vous avez reçu une parole prophétique. Il y a un grand problème. C'est intéressant, il dit, ne crains rien. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé au Jacob, celui qui t'a formé, au Israël, ne crains rien. Amen. Dieu dit, ne crains rien. Ce qui t'a donné vivre comme situation, ne pas avoir peur. N'aie pas peur des menaces. N'aie plus peur de la menace. Ne crains rien. Les gens qui sont en train de te menacer. Les gens qui t'ont dit des choses. Les gens qui t'ont donné une mauvaise nouvelle. Ne crains pas. Il dit, car Jacob, moi qui t'ai formé, je connais la situation. Mais la seule chose, ne crains rien. Ne crains rien. Donc, tu vois que c'est difficile. Ce que tu vois vivre à Dieu difficile. Amen. Mais elle comprend ça, Dieu. Des menaces autour de toi. D'autres menaces de mort. Mais Dieu, il est capable. Mais la mort, il dit ici. Oh, oui. Il dit, quand je t'ai racheté, je t'appelle par ton nom. Viens à moi. Ça veut dire que la propriété de Jésus, amen. Il t'a créé un grand pouvoir à racheter. Donc, on ne peut pas avoir peur de la menace. Ils sont en train de menacer, ils sont en train de dire des choses. C'est la propriété de Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Ça n'empêche que les gens te menacent, ils sont en train de te menacer. Il ne faut pas avoir peur. On peut t'annoncer une mauvaise nouvelle. Non, la maladie là, comme ça là, il va te réveiller. Plein de choses. Il y a qui gagne ça. Ne crains pas cette situation. Dis à quelqu'un, Dieu contrôle. Dieu contrôle. Dis à quelqu'un, Dieu contrôle. Amen. Amen. Et ici, tu traverses les eaux. Je serai avec toi. Et non, on a Jésus. On ne va pas avoir les difficultés. Les eaux, symbole des difficultés. Et que Dieu marchait devant Israël. Arrivé à un moment donné, vous allez aller à Canaan. Vous êtes confronté devant la mer. Mais symbole des problèmes. Symbole des difficultés. Derrière la réaction de Moïse dit, ne craignez pas. La même chose revient. Quand l'Éternel combattra, dis amen. C'est là que Dieu perd le combat. La preuve. Vous savez que le diable, il est comme un lion. Il vous effraie. Il perd le combat. Il perd le combat pour la peur. Vous avez peur à cause des difficultés. Vous avez des difficultés, vous perdez le combat. Amen. Pourtant la Bible déclare que le juif vivra par la foi. Oh, il dit que le juif est la foi. Pourtant la foi est spirituelle. Les fleuves ne te submergeront pas. Ça ne va pas te détruire. Dès que Dieu l'a permis, non, ta vie se détruit. Non, te
de mieux pour me brûler. Il dit même si tu traverses tes eaux, je suis en train de tes parents sont même menacés. Et tout le monde est menacé. Et tout le monde est menacé. Tu es enculé par des menaces partout. Je ne sais pas si je suis en train de comprendre ta vie. Lui, il n'a pas la vérité. Mais non, mais bon. Amen. Et toujours les regards fixés. Ta vie, ma sœur, Jésus, pour lui chercher premièrement le Christ. Pour lui demander de rien, Jésus ne veut pas ça. Alors, pour moi, chercher premièrement le Christ. Ta justice. Le milieu. Tiens, il y a des regards fixés sur Jésus. Amen. N'ayez pas peur. Non, Dieu est puissant. Mais bon, on lit le peu. Alléluia. Amen. T'as pas une maladie que tu ne peux pas guérir. Vous voulez prendre la grandeur, moi? Non. Même pour rien. Jésus est la solution. Je dis moi ça. Tu as Jésus. Et quand on va Jésus. Tu ne penses pas que Jésus est exclu de votre vie? Et moi, il y a un peu pour propre. J'ai causé avec une de mes filles. Et là, il me dit qu'elle. Elle dit vraiment, je suis déménagé. Et là, il y a un peu pour le je suis seul dans la maison. Ma fille. Et tu es quoi? Et je suis seul. Oh, c'est bon. J'ai dit Jésus. Oui, j'ai dit Jésus. Mais t'as vu. C'est son seul. On vient dans l'âme d'eau. Elle pense que le maître. Oh, pour est à l'église. Il a parlé en lui. Elle pense que Jésus, là. Oh, pour Jésus. Est à l'église. Pendant que l'on est à la maison, Jésus n'est plus là. C'est une erreur. Il a pas bien. C'est un mensonge de Satan. Même dans ta chambre. Mais pourquoi mieux? Garde-toi dans la chambre. Jésus n'a pas peur. Alléluia. Amen. Faut pas avoir peur. Non, non, non. Amen. Amen. Jésus au contrôle. Jésus va venir. Amen. Passe la main rouge au ciel, les gens commencent à vivre. Il dit quoi? Il dit ici, l'éternel commencera pour nous. Oh, Seigneur, l'éternel commencera pour nous. Amen, amen, amen. Ils ont l'idée contre toi. Ils ont pris une décision dans le monde des ténèbres. Et c'est fini pour toi cette année. Tu ne traverseras pas la neuve. C'est un mensonge. Dis, tu as menti à ta femme. Dis, tu as menti à ta chair. Dis encore avec moi, tu as menti à ta chair. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Je ne peux pas acclamer Jésus. Dans les cieux, on peut prier, on peut vous prier. Comme tu veux, nous voulons les marcher. Mais la Bible dit que tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Mais quand tu voulais les marcher, la personne qui a le feu autour de toi, rien n'a plus de me rejeter les paroles. Rien ne va. Oui, on est prêté. Amen. Ça ne va pas te brûler. C'est pas que je suis pas brûlé. Alléluia. Dieu a permis au nom de glorifier son nom. Mais encore une fois, il n'y a pas de amen. Cette situation. Mais oui, il y a eu aucun miracle déguisé. Et là, vous devez y aller. Amen. Qui a fait l'esprit quand tu suis le père des parents? Oui, les gens vont se lever quand vous me insultez. Quoi, on écoute, on est bêté. Ils vont vous narguer. On est bêté. Parce que Dieu veut les châtier. Mais on va pas parler à vous. Amen. Un moment donné, Dieu a commencé à dire sur le cœur du pharaon. Il a vraiment commencé à insulter les enfants d'Israël. Il était tellement déçu. Est-ce que Dieu veut les faire périr là? Cette chambre ne se moquait de toi. Mais Dieu prépare la mort. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Allons-y. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Il dit que le Dieu d'Israël, amen, est ton Sauveur. Ça dit dans les dix. Dieu n'abandonne jamais. L'abandonne. Non, il n'abandonne pas. Oh, Dieu me donc, il ne faut pas avoir peur. Non, non. Moi, je n'ai pas peur de menaces, les gens. Ça ne dit rien. Et moi, parce qu'il y a le Dieu d'Israël avec moi. On dit si Dieu est pour toi, qui sera donc contre toi? On a gardé un moment pour toi. Il faut avoir la foi, s'il te plaît. Il faut avoir la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, Moïse. Devant la mer rouge, il avait la foi. Moïse dit, il ne faut pas pour Dieu. Il croyait au miracle. Il croyait tellement. D'autres ont commencé à murmurer autour de lui. D'autres disent, mais tu vas à l'église, mais pourquoi tu vas à l'église? Il y a des choses, des choses. Pourquoi? Si Dieu est vraiment avec toi, pourquoi ça m'arrive? Dis, Dieu au contrôle. Amen. Dieu au contrôle. Alléluia. Amen. Dieu au contrôle. Il va même que le sorcier avait des choses. Regarde. Allons-y. Je donne les chiffres pour ta rançon. Dieu dit va donner
quelqu'un d'autre, l'Égyptien, un mondain dans la famille, c'est pas toi qui vas manger. Dis amen. Ils ne te mangeront plus. Alléluia. Et ça va à ta place. Amen. Parce que tu as dit prie à mes yeux. Parce que j'ai dit prie.